Emma Coste avait fait une tribune où elle expliquait que, justement, le problème de l'intégration et le problème de l'Europe, c'était les nations juives. Pour vous, c'est une question clé. Pour moi, non, mais pour moi, le problème, ce n'est pas les nations. Les nations sont au contraire le cadre dans lequel aujourd'hui on peut se défendre de l'Europe. Parce que de l'Europe dont nous rêvions, celle que nous étions en train de construire il y a bien longtemps, à celle d'aujourd'hui, c'est plus le même objet. Tout ce que vous venez de dire, Madame Coste, tout ce que vous venez de dire est impossible dans le cadre des traités européens actuels. Par conséquent, il faut sortir des traités. L'Europe et la coopération des peuples, c'est de rompre avec les actuels traités. Il va falloir sortir des traités européens. Quel droit les États-Unis d'Amérique rompent un accord mondial qui avait été validé par le Conseil de sécurité de l'ONU? Lui tout seul décide, ah ben nous on ne veut pas. Et ces points peuvent paraître être du détail juridique, ça n'en est pas, car toute la vie internationale repose sur des règles que chacun doit avoir à cœur de respecter. Et nous en particulier, la France, parce que nous ne sommes pas une puissance capable d'évoluer autrement que dans un ordre, un monde ordonné, et pas uniquement dans un rapport de force où nous ne pourrions pas avoir le dernier mot, parce que nous ne serons jamais les plus puissants. Nous ne sommes puissants que de notre volonté de nous défendre, et de notre volonté de respecter un ordre international auquel nous contribuons. Voilà les paramètres dans lesquels évolue l'action diplomatique de la France et dont il ne doit jamais sortir. Eh bien, certains proposent de désobéir au traité. Sérieux ? Sérieux ? Alors qu'on soit bien d'accord. Les traités, c'est un acte de confiance. On signe des traités de paix. On signe des traités de non-prolifération atomique. On signe des traités sur les frontières. Et j'en passe et j'en passe. Et si la France ne respecte pas sa parole, qui empêchera les autres de ne pas la respecter aussi ? Quoi ? Le traité de paix de la Seconde Guerre mondiale ? On s'en fout, non? On n'a qu'à repartir en guerre. Le traité qui dit qu'il ne faut pas torturer les prisonniers. Ça, on s'en fout aussi. Ah, et puis celui-là, avant, la frontière de la France, ça allait jusqu'en Algérie. On n'a qu'à s'en foutre aussi, non? Ne pas utiliser d'armes chimiques contre les rebelles. Pouf, alors rien à foutre. Plus d'une guerre ont déjà commencé comme ça. C'est vraiment irresponsable de penser un instant de désobéir au traité.